une chance de casser le match, de faire 15 points, 18 points, je ne sais pas quoi. Hop, on perd de ballon, on précipite, on se bat. Tire. Après, derrière, on ne défend pas. Surtout, on a des problèmes en défense, un contre un. Surtout, il y a certains qui s'arrachent en disant tout le monde veut faire quelque chose, mais je pense qu'on est trop soft en disant des challenges comme ça. Il faut challenger les joueurs. On a donné beaucoup de tirs ouverts. Voilà, on perd encore une fois 14 ballons. C'est beaucoup. Contre 7 ballons perdus, on perd 14 ballons, c'est beaucoup. Et puis voilà, il y a 4 Mike. Je pense qu'ils ont fait erreur parce que je sais que London a fait au moins un ballon perdu. Non, pas mais au moins un. Voilà. Tu dis qu'effectivement, vous auriez pu creuser l'écart à un moment plus. Ah oui, oui, oui. Ouais, bah, il y avait plus 13, on a le ballon. Bah, hop, on précipite, on prend un tir. Et au lieu de gérer la situation de... Parce que si on fait encore... Si on fait 15, plus 15, plus 16, et bah, ils vont commencer à prendre des risques. Et puis là, on va creuser l'écart. Mais on ne fait pas, on tire deux de suite. Et plus il vient avec 3 points, là, on a des problèmes. Est-ce que tu crois pas aussi que quand Chalon reprend l'avantage et à 2 minutes 30 et à plus 5, ton équipe a aussi le mérite de ne pas lâcher? Non, je pense qu'on a changé quelque chose quand même. Je pense, hein, je sens que là, les gars, ils ne lâchent pas. Hein, ça, c'est, ils jouent jusqu'au bout. Hein. Après, derrière, à plus 13, être moins 5, je pense que c'est une catastrophe. 18 points d'écart, c'est beaucoup dans la quatrième carte. Mais par contre, au moins, voilà, on n'a pas perdu notre lucidité, entre guillemets. Et puis, on a gagné, c'est une victoire importante. Au moins, on gagne un peu de temps. Au moins, on gagne un peu plus. On a un peu plus de confiance en nous-mêmes. Voilà. Mais c'est un petit peu difficile. Voilà. On ne gagne pas facilement. On ne sait pas le money time. Je pense que le problème, c'est là. Il y a un money time pendant tout. Dans chaque match, il y a un money time. Et toujours, on fait des erreurs sur le money time. On a fait contre Nanterre, on a fait aujourd'hui aussi. Si on ne fait pas des erreurs dans le money time, je pense que on pouvait gagner un peu plus facilement. Aujourd'hui, ce qui m'a fait mal, aujourd'hui, je pense, avec les conneries qu'on fait, aujourd'hui, on doit gagner 4 matchs de suite. Hein. 4. On doit gagner les 4 qu'on a joués. On a perdu 2, on a gagné 2, mais ça doit être 4 victoires pour nous. Hein. Parce qu'on n'était pas loin à Bourg-en-Bresse. On perd de notre lucidité. Même chose contre Dijon. Voilà. Mais après la victoire, il n'y a pas beaucoup de choses à dire. Mais en tant que coach, moi je suis obligé d'être objectif et de continuer à travailler. Moi, on va couper jusqu'à vendredi prochain et on reprend samedi. On reprend samedi, c'est bien pour les joueurs aussi, ils vont se reposer un petit peu, nous aussi on va se reposer parce qu'on est fatigué aussi, je pense qu'on est un peu plus fatigué par rapport aux joueurs, je peux te dire. On a vu Franck devoir faire un gros match, on l'a vu aussi beaucoup haranguer le public, est-ce que tu as vu un signe peut-être de... J'ai rien vu, j'ai même pas demandé, j'ai rien vu, ben, j'ai déjà demandé il y a 2 jours. Moi, je ne veux pas rentrer sur ça, on verra. Bon, je ne sais pas, je ne peux pas dire. Je peux pas. Ton équipe, évidemment, n'a pas le même visage avec et sans lui. En disant, je pense que, ouais, individuel, quand tu regardes les statistiques et tout ça, c'est très bien. On n'a aucun problème, on n'est pas, on est rien avec, tu sais, avec lui, mais... Moi, je vois l'équipe. Toujours, pour moi, c'est priorité, c'est l'équipe. Comment on gère? Parce que, par exemple, pour moi, aujourd'hui, le joueur vraiment qui a une grosse performance, c'est Abdou. Vraiment. C'est bon. Mais de toute façon, c'est moi, en disant ce que de ma part, je vois comme ça. Par rapport au fait qu'il a contrôlé Robinson. Il a très bien défendu, il a pris 5 rebonds, 2 ballons perdus, mais il a joué avec
Et pour un jeune, 37 minutes sur 45, c'est beaucoup. Voilà, mais bah, il était à fond. Je pense que vraiment, il a fait un effort très très intéressant, exceptionnel pour moi. C'est bien, mais il faut qu'il continue, les jeunes encore. Il peut jouer demain, par exemple, s'il y a un match, il est jeune. Mais il a donné beaucoup d'énergie, il a dépensé beaucoup d'énergie, il fait des erreurs, mais ce qui est bien pour aujourd'hui, pour Abdo, il est conscient, il sait qu'il fait les erreurs, en disant les bêtises qu'il fait, il comprend. Ça c'est très très important. Quelquefois les jeunes, dans notre équipe, tout le monde est au courant, mais il y a des jeunes, par exemple, ils ne comprennent pas. Bah, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, tu as fait ça. Par exemple, chaque fois qu'il a fait une connerie ou une erreur défensive ou offensive, on regarde les yeux dans les yeux, je comprends et il me dit tout. Il est au courant. C'est une très très bonne signe pour un jeune joueur pour progresser. C'est un signe très important. Après, bon, Franck, il a pris 17 rebonds, 8 rebonds offensifs. Voilà, mais par contre, on attend un peu plus de Romain. Bon, il n'était pas bon aujourd'hui. Il était très bien, par contre, pendant les entraînements cette semaine. Mais bon, je pense que bien de blessures comme ça. Mais bon, c'est une victoire très, très importante, hein, pour nous, honnêtement. Est-ce que tu penses que c'était un manque de lucidité quand vous avez pioché? Ah oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Mais tu sais, lucidité, pour moi, d'après moi, en disant, c'est un peu expérience. Lucidité, c'est expérience. Et lucidité, c'est hop, allez hop, on fait ça. Par exemple, il y a des moments, London, Abdou et Pape, ils sont les trois sur le terrain. Normalement, c'est soit Abdou, soit Pape, London qui mène le jeu. Ben, il se cache, hop, il donne le ballon à Pape, et puis hop, on a perdu un ballon comme ça. Deuxième, quatrième carton. C'est de l'expérience. Il faut que le meneur, il est obligé d'aller, de passer, et hop, il faut venir tout de suite chercher. Même chose pour les intérieurs. Tu peux passer aux intérieurs, je ne dis pas qu'ils vont perdre le ballon, mais non. Toujours, le meneur, il contrôle le match. On fait ça, par exemple. C'est bon. Non, hors le cas Franck Hassel, est-ce qu'il y a des joueurs aujourd'hui qui, dans son équipe, te déçoivent beaucoup, qui pourraient, Je pense qu'avec tout ce qu'on a, au moins, l'envie est là. Ça, c'est important. L'envie est là. L'équipe, ils ont envie de gagner. Ils acceptent pas d'être dans cette situation-là. Ça, c'est une signe vraiment très, très positive. Ils n'acceptent pas. Ça, c'est... Aujourd'hui, on a vu. Bon, à l'extérieur, c'est un peu plus difficile. Quand on joue au déplacement, bon, c'est pas très, très facile, mais là, c'est presque le même scénario. Hein. On joue depuis 4 matchs, même scénario. Hein. Les 2 matchs à l'extérieur et les 2 matchs à domicile, c'est le même scénario. Aujourd'hui, ils sont passés devant, après on les a attrapés, après on est passé. Cette fois-ci, c'était pire parce qu'ils sont venus et passés 5 points il y a 2 minutes. Mais on lâche pas, on repart. Même chose, c'était pareil contre Nanterre. Quand tu vois l'évolution du match, ils étaient devant, comme Chalon. Hop, on est venu, on est passé devant. Après, ils sont venus repasser. Mais Nanterre, c'était un peu plus facile parce que quand ils nous ont passé, il y avait 5-6 minutes à jouer. Là, ici, c'était très, très fragile, très, très dangereux. Ça, je pense que c'est quelque chose de très positif pour nous. Petit détail, Melvin est rentré 4 minutes. Il a eu un souci après? Non. C'est un choix de ta part? Le choix, voilà. Donc, c'est normal, il est un peu déçu. Mais bon, on a travaillé cette semaine un peu individuelle, mais avec la rentrée, on va continuer à travailler aussi avec Kylian, bien sûr. Lui aussi, il fait des erreurs en défense. Il est facile, trop facile, surtout en défense. C'est important pour nous aujourd'hui. Il a joué que 11 minutes. Et défensivement, je ne regrette pas beaucoup. Il a raté des tirs. Il ne sort pas parce qu'il a raté des tirs. Mais il n'a pas bien géré le ballon. Et puis, 2 fois de suite, hop, on a pris 2 paniers faciles. Parce que il faut qu'il
Il travaille, il va travailler. Défense, il faut qu'on sache aujourd'hui que dans le basket, en Europe surtout, et au niveau, il faut jouer les deux côtés du terrain. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'il ne défend pas, mais il n'a pas fait assez attention, surtout dans les situations contre. C'est normal, c'est manque de concentration, c'est, avec les jeunes, c'est toujours pareil. Un mot sur London. Bon, il a fait un bon match, je pense. Il a fait un bon match, et tu dis aussi qu'il y a des fois tendance un peu à se cacher. C'est difficile encore d'avoir un avis définitif. Oui, mais c'est normal, il est rookie aussi. Mais, par exemple, il y a 2-3 actions. Il a laissé le ballon, il est parti. C'est possible qu'il était fatigué un petit peu. C'est pour ça que, pour garder quelquefois les joueurs, et c'est toujours comme ça, quelquefois les joueurs économisent leurs énergies, essayent d'économiser leurs énergies sur le terrain. En défense, c'est très difficile d'économiser, mais en attaque, quelquefois, ils se cachent comme ça pour économiser, pour retrouver les jambes, et puis de jouer. Je pense que c'est ça, c'est normal. Je trouve que c'est normal, mais en disant c'est normal, c'est pour un joueur, c'est normal, mais pour moi, il faut... Voilà, il faut qu'il passe le ballon, et puis après, tout de suite, il faut qu'il parle pour chercher le ballon. La question de son maintien dans l'effectif ne se pose pas. Pour l'instant, non. Parce que la situation, on ne sait pas avec Franck. Je peux rien dire. Si c'est le cas, c'est lui qui va décider. Il est sous contrat, mais après, c'est lui et son agent qui va décider. Si ce n'est pas le cas aujourd'hui, on cherche encore un joueur, toujours un joueur, mais si Franck reste, on va chercher un autre poste, c'est tout à fait normal. Si Franck parle, on va aller chercher deux joueurs, tout de suite, toujours, je répète la même chose. Hein, c'est ça. Aujourd'hui, on est content. Il fait des trucs, oui, il a fait un gros match, je suis d'accord avec lui, mais peut-être c'est possible que Camara, c'est son meilleur match de son carrière. Hein. Mais Camara, d'ailleurs, quand il est sorti blessé à l'œil, c'est votre meilleure période quasiment. Oui, c'est ça, hein. C'est pour ça, en disant Camara, il a fait 18 points. Bon, on a souffert un petit peu dans la raquette en défense. Hein. Voilà, Camara 18, 24 Palacios. Il a déjà 40 points, presque la moitié. Ça vient de deux intérieurs. Nos intérieurs étaient corrects, mais là, ils nous ont pesé parce que l'équipe de Chalon, connue en disant de cette année, qui joue beaucoup avec des extérieurs. Je pense qu'on n'a pas. On a bien stoppé hein, les extérieurs. Michael Riley, le petit Ménage. Les Palacios, il a marqué souvent pour essayer d'éloigner un peu du cercle. Ça. Ah oui, mais c'était son jeu. Avant, tu sais, il y a 4-5 ans, c'était un intérieur, niveau Euroleague et Eurocup. C'était un joueur vraiment qui joue un peu près du cercle, avec des tirs bien sûr, mais de 3-4 mètres, beaucoup d'agressivité défensive et tout ça. Mais avec l'âge, maintenant, il s'écarte un peu plus. Normalement, on peut défendre, on est capable de défendre ces joueurs-là, parce que là, on a 24 points de Palacios, 18 points de Camara, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Ils sont au-dessus de leur average, hein, moyenne. Palacios, je crois, c'est 12 points. Et puis, Camara, je ne sais pas, c'est 6 points, je crois, non? C'est bon. Voilà, c'est beaucoup. Parce qu'en tant que... Bon, Franck, il a mis 18. C'est presque son moyenne. En attaque, il était bon en disant qu'il a pris les 8 rebonds offensifs, mais... Je pense qu'il faut qu'on travaille beaucoup sur des situations comme ça. On n'est pas bon en contre. On a des gars. En disant nous, en tant que coach, on fait des... Tu sais, on monte le vidéo et tout ça. Et l'équipe adverse, comment ils jouent, les formes de jeu et tout ça. Mais dans tous les cas, tout vient sur des choses basiques. Ça veut dire un contre. Si on peut faire tout. Même chose en attaque, tu peux faire des formes de jeu. Par exemple, on a pris un temps mort, on a fait une forme de jeu, ça a bien marché, hop, on a raté sur le cercle. Peut-être que vous vous souvenez, je pense que c'était Frank, tout seul, il y avait 4 secondes. Mais en défense, tu montres les formes de jeu, il y a 2, 3, fistes, pouces, quel que soit, mais tout vient sur des choses basiques.
Pour moi, je défends un contre un, mon joueur. Il prend le ballon, il n'y a pas d'écran, je suis un contre un, il faut le stopper. Je pense qu'on prend beaucoup. Pour en revenir à Melvin Govalli, il s'est mis à bouder à partir de la fin du troisième quart-temps. Il était en larmes à la fin du match. C'est rare quand même de perdre un match aussi intense, aussi important et d'être triste. Comment tu gères ça? Quelle est ta réaction en tant que Je pense que c'est une frustration à lui-même. On est d'accord. Pas pour l'équipe, parce que j'ai parlé, j'ai parlé avec lui. Les joueurs, ils doivent comprendre une chose. Quelle que soit leur performance pendant le match, l'essentiel c'est de gagner. Parce que si on gagne, tout le monde gagne. Et si on perd, tout le monde. C'est jeune. Tu ne peux pas voir ça. Peut-être si c'est un joueur un peu vétéran, tu vois, il va sourire, mais ici, dans la tête ou ici, dans son cœur, il va dire, je ne suis pas bien. Mais Melvin, c'est encore trop jeune. Et plus l'âge, il a 18 ans, mais... Tu sais, il est vraiment très jeune dans la tête aussi. C'est une réaction, je peux comprendre. Si c'est un joueur d'expérience, j'accepte pas. J'accepterai pas ça. Mais c'est un jeune joueur. Il me montre aussi qu'il y a un côté positif parce qu'il a beaucoup envie. Il a beaucoup envie de réussir, beaucoup envie de faire beaucoup mieux. Eh bien, il n'a pas réussi, il a raté un tir sur le cercle et tout ça. Un petit peu frustré. Et puis moi, j'ai essayé un peu plus avec Romain, mais quand Romain a perdu le ballon, un ballon important et tout ça, et défense, c'est pas bon, on est revenu sur Franck. Mais je comprends. J'ai vu ça. C'est pas quelque chose. Je prends le côté positif. Je pense. Sur le cas personnel, et plus important. En deuxième mi-temps, on a l'impression que c'était presque une incompréhension de ne pas rentrer sur le terrain. Son attitude. Il est jeune. Aujourd'hui, je pense que la connaissance du jeu, pour lui, qu'est-ce qui se passe sur le terrain, il est au début. C'est débutant pour moi sur le terrain. Il va progresser, il va comprendre. Quelquefois, peut-être on ne répète pas assez. Il faut insister. Voilà, il faut faire ça. Si tu fais ça, tu restes sur le terrain. On a déjà fait ça, mais... Je pense qu'il faut donner un peu de temps de progresser, pas seulement techniquement, mais aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que jusqu'à aujourd'hui, c'est la première fois, peut-être il joue dans une situation un peu plus encadrée. C'était avec les espoirs, ça part de tous les sens, il fait des matchs, il est content. Mais là, c'est professionnel complètement, et plus il faut gagner. Tu sais, tu joues avec l'équipe espoir. Tu gagnes, tu joues comme ça, tu fais des matchs, tes coéquipiers sont contents, et plus ils viennent d'une équipe qui est assez forte, qui était champion de France et tout ça. Moi, je ne suis pas inquiet pour lui. Je pense que deuxième partie du championnat, vraiment, on va obtenir beaucoup de choses de lui, je pense. Est-ce que avant la fin du temps réglementaire, sur la dernière action où Franck Cassel marque à 2 points, c'était l'option numéro 1, ça, ou c'était plutôt recherché à 3? Tu parles de avant la prolongation, à 3? Non. C'était pas en disant, on a pensé de... Le dernier action, c'était dessiné. C'est un big de Pop pour Franck, pour Mike. On a changé, on a alterné. Parce que toujours, souvent, on fait avec ça. Franck, on a trouvé un tir. Il a raté tout seul. Il avait 4 secondes, fin de troisième, je crois. Deux points, non, c'était pas en disant. On n'a pas. On dit, on va aller pour scorer. C'est pas. On n'a pas allé. Parce que là, on arrête le chrono. Ça nous donne beaucoup de chance. Mais dernière action, avec Pop, c'était dessiné. Mais on n'a pas insisté pour un 3 points parce qu'on a eu 2 possessions. Mais c'est plus sur l'action. Je pense que tu parles de quelle action? L'action où vous êtes à moins 3. Ouais. Et il y a une passe pour Franck Cassel à l'intérieur. Et du coup, à 4 secondes de la fin, vous vous retrouvez à moins 1. Mais le but, c'est de tirer à 3 points. Non, ce n'était pas le but. C'était bien l'option numéro 1. Oui, en disant 2 points, oui. 2 points, puis après la faute. Ouais. Ah, c'était délibéré, c'était ce que tu voulais. Oui, on ne veut pas, parce qu'on veut qu'on marque
et on arrête le chrono. C'était risqué. Oui, et plus, par exemple, j'ai beaucoup pensé de faire une faute quand on a plus de pour avoir le dernier ballon. Mmh. On joue à domicile. Mais comme quelquefois, tu sais, on n'est pas lucide, on ne sait jamais qu'est-ce qui va se passer. C'était trop risqué pour avoir une deuxième prolongation. On a essayé de défendre. Voilà. Et on n'a pas donné tir. Ben, c'était un tir difficile. Hein. Ils ont raté, mais c'était un tir difficile. Mais première option, on n'a pas pensé à marquer 3 points. C'était sûr. Parce que ben, si tu rates, tu es mort. Aucune chance. Obligé de faire faute. Un lancé, 4 points. Mais là, tu arrêtes le chrono. Tu arrêtes le chrono. Tu as un moins un. Hop. Tu as une chance. Moi, je n'aime pas arrêter. Quand tu es derrière, je n'aime pas arrêter le chrono. J'aime arrêter le chrono, pardon. Et par exemple, dernière action, on laisse pour ne pas faire une faute, pour que le chrono roule. Parce que le temps, voilà. Mais c'était compliqué. Hein. C'était pas facile. Hein. Je veux le dire. Hein. Quelquefois, les choix, on fait des choses, tu sais, on sait jamais. Dans le basket, il y a énormément de choses. Tu peux pas imaginer. Voilà. Par exemple, il y a une action de Pape. Plus 4 ou plus 5. Il prend le ballon. Ben, le meneur, il ne vient pas chercher le ballon. On perd le ballon. Et pour faire plus 6, tu sais, peut-être boucler le match. C'est ça. Après, derrière, parenthèse, il a mis 2 tirs importants. On a plus 13. Première intention. Il vient au dribble, brink. Au lieu de gérer la situation, tu joues, peut-être tu provoques une faute. On n'a pas bien utilisé. Quand ils ont eu très rapidement 4 fautes. On n'a pas attaqué beaucoup. On a pris des tirs extérieurs. On a perdu des ballons. Je ne sais pas. 14 ballons perdus. Au moins, on a fait 19 passes. Mais regarde la différence, ils ont perdu 7 pour 23 passes. Olivier Trois-Fontaines, là, il est en perte de confiance totale ou c'est que il a un problème physique ou... Même quand on voit sur son opérateur, il hésite à le prendre, un shooter, il n'hésite pas. Il... Peut-être, voilà. Peut-être il a perdu un peu confiance, peut-être. Parce que on joue peut-être un peu plus différemment. C'est pas trop son jeu, je pense. On essaie de jouer avec beaucoup d'intensité, beaucoup de rythme. C'est un joueur un peu qui a besoin d'un jeu un peu plus posé. Voilà, le pick and roll est toujours aujourd'hui, il y a feu. Hein. Il faut sauver d'abord le meuble. C'est pour ça qu'on essaie d'être très très agressif. Et pour l'instant, il s'adapte, mais ça ne veut pas dire que... On l'a oublié, hein, on n'a pas mis à côté. On essaye. Il pourrait être menacé pour la fin de saison ou... Non, il n'y a pas de menace pour aucun joueur, à part s'il part. Non. Mais si on va faire quelque chose, on va ajouter un joueur. Mais toujours, c'est non. Voilà, au moins, on va passer une semaine un peu plus tranquille. Et sur le joueur, Herman, le profil, c'est un joueur extérieur. Mais ça dépend toujours, on revient sur le même sujet. Si Franck part, c'est 2 joueurs. Si Franck reste, on cherche. Aujourd'hui, je pense, j'ai confiance à nos intérieurs en disant, on parle de Franck, bien sûr, et Mike, j'ai confiance à Romain et j'ai confiance à Melvin. Ça veut dire que ce sera un joueur extérieur. Je pense qu'on va progresser sur ça. On va utiliser un peu plus Melvin. Et Romain, on est un peu plus de... Parce qu'il joue beaucoup aussi, Franck, il est un petit peu cramé. S'il reste, l'objectif d'ajouter un joueur, parce qu'on a 4 plus 1. Et bien, ouais, bien sûr, Robinson, quand Robinson vient, on sera assez blindé dans la... Tu le rencontres demain, Franck, pour savoir? Mais je rencontre tout le temps, mais je n'ai pas de réponse pour l'instant. Mais avant qu'il parte en vacances, tu... Oui, mais le problème, ils n'ont pas la réponse. Il a tout le mois de janvier pour se décider. Oui, là, le problème est là. Le problème est là, je ne peux pas me positionner. Parce que si pas, après, on peut se trouver un extérieur américain, un intérieur
Bosman ou l'inverse. Mm-hmm. Ou s'il reste, on va aller chercher un extérieur pour ajouter un joueur. Un peu plus d'impact, mm-hmm. qui peut nous aider un peu plus dans le money time et tout ça. Un peu plus dangereux pour les adversaires, qui jouent avec le ballon, qui peut tirer et tout ça. Si on peut